Tous, bienvenue sur Confi News, le live d'Infor Jeune. Alors, juste un petit rappel donc, euh, vous êtes sur notre chaîne, mais peut-être que vous ne savez plus ce que c'est Infor Jeune. Donc, un fort Jeune, euh, c'est une SBL euh, qui est basée à Arlon. Et donc, euh, on traite de différents sujets qui touchent euh, les jeunes de 12 à 25 ans. Et euh, voilà, donc, euh, comme pour le moment, nous n'acceptons plus personne de, dans nos bureaux, puisqu'ils sont fermés dans notre permanence. On s'est dit qu'on allait faire une petite vidéo en live avec vous où vous pourriez euh, nous poser vos questions sur un sujet bien défini. Euh, cette semaine, donc on va faire un sujet euh, par semaine. On va faire euh, tous les jeudis à 11h pendant plus ou moins une heure en fonction de vos questions, de vos, euh, de vos commentaires, etc. Donc n'hésitez pas. Euh, Aujourd'hui, on va parler de la perte des revenus, puisque c'est quelque chose qui touche vraiment beaucoup d'étudiants, puisqu'il y a de nombreux étudiants qui travaillent et qui ont besoin de ce travail pour, euh, pour vivre, hein, pour payer leur loyer, pour acheter leur nourriture, etc. Euh, voilà, et donc avant de commencer, euh, euh, donc euh, moi je me prénomme Thomas, donc je travaille sur InforGen, et euh, on a aussi Aurore, qui est ma collègue et qui interviendra aussi tout au long de ce live. Bonjour Aurore. Bonjour à tout le monde. Et donc, on est chacun chez nous, hein, puisque nous restons bien confinés. Donc, euh, voilà, nous allons commencer par lire un petit article euh, qui nous a semblé euh, bien montrer euh, la détresse euh, voilà, des, euh, des jeunes. Donc, je vais vous partager en même temps euh, cet article, comme ça, vous, voyez, vous pouvez regarder avec nous. Voilà. Donc... En fait, sur la RTB, ils ont fait un article où ils ont rencontré un, un étudiant de 19 ans euh, qui fait des études en biochimie et qui a un travail de jobiste. Il ne peut compter que sur lui-même, hein, puisqu'il n'a plus de contact avec ses parents. Euh, donc, euh, donc voilà, il, euh, il a vraiment besoin de ce job pour, euh, pour vivre au jour le jour. Et euh, ils l'ont contacté un soir et sans surprise, il annonce qu'il n'a plus de travail, puisque comme des milliers d'étudiants, euh, bah, il travaillait dans le secteur de l'Oreca et que c'est vraiment le secteur le plus touché, comme vous le savez, puisque ça, ça a été fermé très rapidement euh, dès le début du confinement. Du coup, ben, il fait comme il peut, mais euh, il avait reçu une bourse en début d'année euh, de son école. Euh, mais, euh, mais voilà, une fois qu'il a payé le loyer et les charges, il ne lui reste pas beaucoup pour manger. Donc, il mange euh, des pâtes, du riz, des choses comme ça. C'est vraiment euh, compliqué pour lui. Et le reste du temps, il est censé toujours étudier, euh, faire des travaux pratiques. Mais c'est compliqué de se concentrer parce que c'est vrai que quand, quand on a des problèmes euh, d'argent, eh bien, euh, on, a vraiment, euh, on a vraiment ces problèmes qui nous, euh, qui, qui nous restent en tête. Donc, ce n'est euh, pas facile. Quoi. Donc, voilà pour cette, euh, cet article. Euh, donc, on va commencer donc parler. Euh, voilà. Premièrement, on a un job. Euh, Peut-être la première question à se poser, c'est dans quelles circonstances euh, l'employeur peut-il arrêter euh, notre contrat. Oh. Ben euh, oui. Donc, euh, en fait, l'employeur a deux possibilités. Donc, soit euh, rompre le contrat avec un préavis. Donc, euh, dans ce cas-là. Euh, l'employeur, le, il doit envoyer un courrier recommandé euh, pour informer la fin du, de la fin du contrat à l'étudiant. Donc ça, c'est la, la, la première solution. Et la deuxième, c'est euh, que l'employeur suspende le contrat jusqu'à ce que le contrat euh, arrive à sa fin. Euh, et donc là, dans ce cas-là, en fait, le contrat étudiant va prendre euh, naturellement fin sans qui est de préavis et donc d'indemnités qui seront octroyées à l'étudiant. Donc, en fait, l'employeur, il peut décider s'il va rémunérer ou pas son étudiant dans ce cas-là. Okay. Euh, donc, oui. il a vraiment deux possibilités, rompre ou la suspension. Quoi. Voilà, rompre le contrat euh, avec normalement le paiement d'un préavis mmh. ou suspendre mmh. le contrat. Euh, et là, il ne sera, euh, sera pas forcément obligé de, de, de payer un préavis euh, ou de rémunérer l'étudiant. OK, OK. Donc euh, voilà, qui dit, en tout cas, si on parle de la première possibilité euh, où on, on, on rompt le contrat, euh, ben voilà, il y a un préavis, comme l'a dit Aurore. Euh, donc je vous ai partagé un petit lien dans le chat euh, où vous avez quelques petites informations sur le préavis. Je vais les mettre aussi. Euh, en, en direct comme ça, vous voyez un peu de quoi on parle. Alors je prends ce petit onglet. Euh, voilà, c'est ça. Donc voilà, comment ça se passe En fait, je vais descendre un petit peu. Voilà. Donc en fait, le préavis c'est quoi Pour rappel, eh ben, euh, c'est une période qui doit s'écouler avant la fin du contrat. La durée, elle est calculée en fonction de l'ancienneté euh, du, du travailleur et euh, du temps que, euh, que l'étudiant a passé euh, donc, sous contrat chez l'employeur. Donc comme on le voit, il peut être, si le, le contrat a duré maximum un mois, euh, il est de maximum trois jours. Donc si c'est l'employeur qui vous donne ce préavis, il est de maximum trois jours. Et si vous avez, placé, si vous avez passé plus d'un mois déjà, euh, le contrat a plus d'un mois, ça fait plus d'un mois que vous travaillez, le préavis est de 7 jours. Donc vous avez, euh, donc vous avez la possibilité ça, de le prester, mais ici vous n'avez a priori pas pu le prester, enfin, sauf si c'était peut-être vous êtes arrangé euh, en faisant du, euh, je ne sais pas, de livraison, des choses comme ça. Mais s'il n'est pas presté, il doit quand même être payé. Donc, euh, donc voilà. Et puis une petite remarque, si tu es en période d'essai, euh, ces remarques, évidemment, elles ne, elles ne comptent pas, puisque dans la période d'essai, il n'y a, euh, a pas de préavis ni indemnité. Euh, donc, voilà, maintenant, euh, on va prendre la situation. Donc, euh, voilà, l'étudiant a perdu son job étudiant, il a perçu une indemnité. Euh, donc, il y en a beaucoup qui sont en difficulté financière. Quelles sont les solutions qui s'offrent euh, à l'étudiant, Aurore eh ben, Il faut savoir que les étudiants qui ont contrat de travail étudiant, ils n'ont pas de droit au chômage comme euh, les travailleurs classiques. Euh, mais euh, ce qu'ils peuvent faire, par contre, c'est euh, demander une aide financière au CPAS. Ok, et donc il peut demander... Euh, c'est à quel CPAS qu'il doit faire sa demande le jeune euh, bah pour les étudiants qui cotent, euh, les CPAS euh, à contacter, ça va être celui dans la commune euh, dans laquelle le jeune est domicilié. Euh, donc, c'est pas euh, la commune euh, où il cote et où il a donc sa résidence effective. Euh, donc, ça, c'est vraiment le cas particulier des étudiants euh, coteurs, on va dire. Parce mmh. que euh, la règle générale, normalement, c'est euh, de contacter le CPAS de la commune. Dans laquelle euh, le jeune habite effectivement. Mmh, mmh. Donc, par exemple, si euh, voilà un jeune qui n'est plus étudiant, qui emménage avec son son, son copain ou sa copine, euh, a besoin de demander une aide au CPS. Voilà, ben dans ce cas-là, il va devoir contacter le CPS euh, de la commune de là où il habite avec son copain ou sa copine, même s'il est toujours domicilié chez ses parents. OK. Mais globalement, si on, nous, on va parler ici, on a plus de chances de, de parler des étudiants euh, coteurs. Et là, on est vraiment, euh, on est vraiment donc de, des gens qui vont normalement ne pas être domiciliés là. S'ils ne sont pas domiciliés, ils c'est dans la commune où ils sont domiciliés. Quoi. Voilà. Maintenant, après, si c'est des étudiants qui ne cotent pas, bah, je veux dire, ils, ils, ça reste la même règle. Ils vont euh, mm -hmm. contacter le CPS de là où ils habitent, de là où oui, ils sont domiciliés. quoi. OK. Voilà. Euh, alors, peut-être euh, ce que je peux vous montrer, euh, donc en faisant un petit partage. Je vous euh, partage aussi dans, dans le chat, comme ça vous avez les liens pour regarder ça chez vous tranquillement après. Voilà. Donc en fait, il existe euh, un répertoire euh, des institutions sociales et de santé en province du Luxembourg qui s'appelle. Euh, donc c'est un site, hein, lurezo.be, et sur ce site, euh, vous trouverez en fait les, les, voilà, les, les adresses de tous les CPS de la province du Luxembourg. Donc ici, par exemple, euh, voilà, si je clique sur celui d'Arlon, vous voyez vraiment toutes les coordonnées du, du CPS. Mm -hmm. euh, mm -hmm. donc, voilà, et puis juste pour info, ici, en fait, euh, quand vous allez dans l'onglet Tous les organismes, vous pouvez en fait faire une recherche par secteur. Donc, bon, ici, on était dans, dans le secteur de l'aide sociale, mais voilà, si vous êtes intéressé à trouver d'autres organisations sociales ou de santé en production, il ne faut pas hésiter à aller regarder là-dessus. Un site intéressant, très ouais. en effet. On Alors en fait sinon, ça. oui, et qui est bien mis à jour en plus. Et donc, le deuxième site euh, que je voulais vous montrer, ben, c'est euh, le site de l'Union des villes et des communes en Wallonie, qui a aussi euh, un, un, un répertoire de tous les CPS wallons. Donc, s'il y en a qui nous écoutent, qui sont hors de la province de Luxembourg, voilà, ça peut être aussi intéressant. Quoi. Voilà, je viens de vous partager aussi l'adresse. Ok, bah merci pour ces infos, Aurore. Euh, et en fait, maintenant qu'on sait quels CPS il faut contacter, quelles sont les aides en fait, que ces CPS peuvent donner aux étudiants en difficulté Oui, euh, bah donc en fait, il y a deux types d'aides. La première, ça va être le droit à l'intégration sociale. Et la deuxième, ça va être euh, l'aide sociale. Donc, euh, pour le droit à l'intégration sociale, euh, ça va prendre euh, la forme soit d'un revenu qui va être euh, donné euh, à l'étudiant, euh, soit un nouvel emploi. Bon, après, ici, euh, euh, c'est fort probable que ça prenne plus la forme d'un revenu, quoique euh, il y a quand même des secteurs qui, euh, qui sont vraiment à la recherche d'étudiants pour le moment. Euh, et donc voilà, à partir du moment où le jeune euh, euh, fait sa demande, bien, il y a toute une enquête sociale qui va être, euh, qui va être lancée euh, pour euh, voir si euh, les revenus du jeune sont vraiment insuffisants ou pas et s'ils rentrent dans les conditions pour obtenir euh, cette aide. Et donc les conditions, euh, je peux vous montrer ici, vous faire euh, un petit partage. Donc je vais vous partager. Euh, le site de notre fédération, euh, inforjeune.be. Euh... J'ai mis le lien aussi sur l'intégration sociale, c'est ça Le lien sur l'intégration. Voilà, tout à fait. Voilà, donc, le de le site de notre fédération inforjeune, euh, a toute une FAQ sur plusieurs thématiques, dont la protection sociale et donc euh, sur notamment euh, ce qu'est le revenu d'intégration sociale. Et donc, ici, vous pouvez voir euh, les. Euh, les conditions euh, à remplir euh, pour pouvoir bénéficier de cette aide-là. Donc, ben, il faut être belge, euh, apatride ou réfugié reconnu, étranger inscrit au registre de la population ou euh, citoyen de l'Union européenne, euh, en ayant un droit de séjour de supérieur à trois mois. Euh, donc, il faut être aussi âgé de 18 ans minimum, mmh. donc, euh, sauf pour euh, le cas des, des mineurs qui sont enceintes, des jeunes qui sont émancipés par le mariage euh, ou qui ont des, des enfants à charge. OK. Alors, euh, il faut aussi habiter euh, effectivement en Belgique hein, de façon permanente et légale. Ouais, mais... euh, bon, revenu insuffisant, on en a déjà parlé. Et ensuite, euh, il faut être disposé à travailler euh, sauf. Euh, si euh, on peut ne pas devoir travailler euh, pour ouais, des raisons en, de santé. Des... Ouais. Ouais. Mmh, mmh. Ouais. Voilà, voilà. Alors, donc, ça, c'est pour la première euh, aide, donc le droit à l'intégration sociale. Et donc, la deuxième aide qui existe euh, et qui peut être octroyée, si par exemple, vous vous retrouvez dans le cas où vous n'avez pas pu avoir euh, cette première aide-là, une deuxième aide, donc l'aide sociale, peut euh, éventuellement être. Euh, être aussi euh, donné. Euh, mm -hmm. Et donc l'aide sociale, euh, ça peut prendre différentes formes. Et donc ça va vraiment être en fonction euh, du besoin du jeune. Ça peut être par exemple une aide pour payer euh, le, le loyer du code, ça peut être euh, une aide pour euh, payer euh, le minerval des études, ça peut être une aide juridique, ça peut être une aide pour payer le médecin, euh, euh, donc une aide plutôt médicale, etc. Et donc, euh, oui. Non, 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 je t'écoute Aurore. J'ai juste que je, je, je partageais aussi du coup un petit lien euh, vers euh, toujours le, le site de notre fédération, le site Inforjeunes, avec euh, des informations sur l'aide sociale. Voilà, et donc ça, je vais vous montrer ici aussi. Euh, donc toujours hein, dans la FAQ de notre fédération, vous euh, pouvez aller retrouver euh, des informations sur cette aide sociale dont les conditions pour en bénéficier. Et donc, euh, là, euh, il y en a deux. Donc, c'est de résider effectivement euh, en Belgique. Euh, et la deuxième, bah, c'est d'être dans un état euh, de besoin. Et donc, ça veut dire que, par exemple, vous n'avez pas de, de revenus euh, euh, suffisants pour pouvoir vous loger, vous nourrir, euh, vous vêtir, avoir accès aux, aux droits de santé, si comme il est mis. OK. Euh, okay. Donc voilà, et alors euh, en plus, les conditions qu'on a citées euh, juste avant pour euh, le revenu d'intégration sociale euh, euh, sont aussi d'application. Voilà. voilà, on a été assez complet, je pense, sur le sujet. Malgré tout, si vous avez euh, des questions, on essaie de vous mettre voilà, de, la, de la documentation dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas, euh, si vous avez des questions, ou des commentaires, euh, comment ça s'est passé pour vous, etc. Euh, on essaiera d'y répondre en direct. Alors, Aurore, euh, maintenant, tout ça, on a, on a expliqué tout ça dans une. Euh, ça, c'est tout ce qui se passe habituellement, on va dire, hein, mmh. même si c'est jamais, c'est toujours particulier de faire, de, de refaire une demande au CPS. Mais là, on est en plus dans une période de confinement. Donc, euh, comment, euh, du coup, on fait pour euh, introduire une, une demande d'aide au CPS pour le moment? Euh, bah donc, malgré la période de confinement, en fait, les CPS, ils sont obligés de, de maintenir une permanence euh, à distance. Euh, et donc, euh, ils sont contactables autant par téléphone que par mail. Ok. Tant mieux. Euh, et alors, est-ce qu'ils reçoivent, une fois qu'on a pris contact, on reçoit une réponse rapidement Alors, bah, à partir du moment où la demande euh, est faite par le jeune... Donc, Comme j'avais dit euh, précédemment, donc le CPS en fait euh, fait une enquête sociale donc pour voir si euh, le jeune est bien dans les conditions euh, ou pas pour avoir euh, les aides demandées. Mmh. Et à partir du jour où le jeune introduit donc sa demande, le CPS a légalement 30 jours pour répondre et donc pour rendre euh, une, une décision. Ah, c'est assez long quand même, 30 jours. Ouais. Ouais. Okay. À savoir qu'il n'y a pas de retard qui est autorisé pour cause de mmh. confinement. Donc, dans, dans, dans les 30 jours maximum, il y a une réponse qui, qui devrait tomber. Quoi. Euh, donc, voilà. Après, ici, nous, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté le CPS de, de la ville d'Arlon pour voir un peu comment ça se passait chez eux. Euh, et donc. Euh, voilà, concrètement, si un jeune veut euh, introduire une demande au CPAS, il doit le faire obligatoirement par mail. Donc, euh, euh, à l'adresse mmh. cpas.arlon.ve. Et euh, à partir de ce moment-là, il euh, y a, y a quelqu'un du service du CPS qui va lui renvoyer un formulaire à remplir. Exact. Et il va aussi y avoir un entretien téléphonique pour euh, voilà, analyser un peu la situation euh, euh, du jeune. Et euh, voilà, après ces, ces deux choses-là, il euh, y a une décision qui est prise euh, en comité au niveau du CPAS. En général, c'est des comités qui se, euh, qui se tiennent euh, toutes les deux semaines, mais euh, pour le moment, vu la situation, il bah, y a des, des comités toutes les semaines. Donc, selon le CPAS d'Arlon, euh, en général, on peut avoir une réponse dans les 15 jours. Quoi. Ouais. Donc, ils ont vraiment diminué. Ils se sont dit, ben voilà, dans la période, ça peut être, il peut y avoir plus de situations d'urgence. Donc c'est pour ça qu'ils ont vraiment fait. Ils se voient plus souvent. Ils ont des comités plus souvent. Donc je pense que c'est une bonne chose, quoi. Une bonne nouvelle. Oui, ouais, tout à fait. Et puis, alors concrètement, au niveau de, des sous sous dans la peau poche, les virements. Voilà, c'est ça qui compte. C'est ça, <laughs> ça qu'on qu veut. Compte, là, enfin. Finalement. Euh, donc, les virements, ils sont euh, d'aide. Si ça prend, en tout cas, l'aide prend la forme d'une aide financière. Donc, les sous sont envoyés en fin de mois. Euh, mm -hmm. Mais euh, une aide urgente peut être, être donnée euh, vraiment en quelques jours. Oui, oui. Ouais. Donc, si jamais on est vraiment dans la détresse qu'on ne sait plus euh, pour subvenir à ses besoins, euh, je veux dire vitaux, manger, euh, des choses comme ça bah alors et on, peut, on peut avoir une demande qui se... Euh, voilà une, un octroi d'argent euh, très rapide ouais voilà vraiment pour les urgences ok euh, encore quelque chose à dire ou euh, Par bah, au bah ici ce qu'il disait le CPS d'Arlon c'est que pour le moment il y avait peu de demandes d'étudiants euh, voilà maintenant je pense que ça dépend vraiment d'une commune à, à l'autre euh, et, mmh. et je me dis aussi que c'est peut-être une aide qui n'est pas forcément euh, fort connue euh, donc euh, d'où le live notamment oui dites-nous un petit peu en commentaire hein, est-ce que vous avez pensé à faire appel au CPS est-ce que, est que dans votre commune c'était pas les mêmes euh, c'était pas les mêmes je veux dire euh, la même organisation. Enfin, voilà, n'hésitez pas à nous raconter un petit peu ce qui vous arrive en ce moment. Ça peut intéresser d'autres personnes qui vont lire ces commentaires. Tout Alors, est-ce qu'il existe ou sinon Aurore d'autres aides possibles euh, ben, en fait, il y a quelques associations euh, qui défendent donc les droits et les intérêts des jeunes, comme euh, notamment la Fédération des étudiants euh, francophones, hein, la FEF qui euh, avait interpellé euh, donc euh, le gouvernement euh, pour créer un fonds euh, social d'urgence euh, et donc en fait euh, pour le moment le gouvernement de la fédération Lille Bruxelles euh, a répondu à cette euh, demande en dégageant un fonds d'urgence d'un peu plus de 2 millions d'euros euh, donc ce fonds, en fait, il doit être euh, utilisé pour euh, aider les jeunes qui sont dans des situations financières compliquées, pour euh, voilà, payer leur, euh, leur loyer, euh, payer les abonnements numériques pour suivre les cours en ligne pour certains, mmh. etc. Euh, maintenant, jusqu'à présent, on n'a pas plus d'informations euh, sur, euh, sur les conditions euh, pour avoir euh, une aide de ce fonds social d'urgence. Euh, donc, affaire à suivre. Ici, on va rester attentif à l'actualité et euh, on reviendra euh, vers vous, euh, notamment via le prochain live, euh, mais aussi sur notre page Facebook, euh, si ça bouge de ce côté-là. Oui. D'ailleurs, c'est vrai qu'on voit, hein, d'ailleurs, ils disent, euh, on, on voit dans les... Qui, qui ça peut être pour le loyer mais aussi pour les, ab les abonnements numériques et c'est clair qu'on pourrait croire que c'est pas une, une priorité mais en fait enfin euh, en ces temps de confinement c'est vraiment une priorité et pour en avoir ouais. discuté avec euh, avec une prof encore aujourd'hui euh, eh bien euh, eh bien voilà il y avait un élève qui, euh, qui devait rendre des travaux qui n'a pas de connexion chez lui ben, pff, ils sont euh, voilà c'est vraiment très ennuyeux quoi donc euh, mmh. Donc oui, c'est important. Oui, important. oui okay. puis euh, ce qu'il faut bien se rendre compte aussi, c'est que euh, voilà, les étudiants qui comptaient sur leurs revenus de leur job étudiant pour euh, voilà financer leur, leur loyer, leurs études, les, les, voilà, les, les frais quotidiens. Euh, bon déjà, ils n'ont plus de revenus liés au job étudiant, mmh. mais ils se retrouvent parfois aussi avec euh, des parents qui sont mis au chômage aussi euh, mmh. oui après, de la situation. Donc voilà, c'est un peu des, des effets boule de neige. Et, euh, ouais, voilà. ouais, vraiment. Bon, bah, c'est quand même une bonne nouvelle d'avoir ce, ce fonds d'urgence qui a été euh, dégagé euh, par la Fédération Uni-Bruxelles. Est-ce qu'il y aurait encore d'autres aides alors du coup Alors la Fédération Uni-Bruxelles a aussi euh, octroyé donc des subsides sociaux aux écoles de l'enseignement supérieur, donc mmh. euh, aux écoles universités. Euh, pour que les écoles puissent venir en aide euh, à leurs étudiants. Euh, donc voilà, si vous êtes euh, un jeune euh, qui se retrouve dans une situation financière compliquée pour le moment, n'hésitez pas aussi à contacter les, le service social de votre école. Euh, il peut aussi euh, vous, vous aider à ce niveau-là. Ok. Voilà, donc peut-être que maintenant ils sont fermés pour le moment vu que c'est les vacances, mais. Euh... Euh, dès euh, la semaine prochaine, normalement, euh, ils seront, les écoles seront rouvertes. Donc n'hésitez pas à les contacter. Alors, ça fait oui. déjà quelques solutions, Est-ce que, enfin, quelques bonnes nouvelles dans, dans ces mauvaises nouvelles du moment, mais est-ce qu'il y a encore une dernière chose ou, ou c'est fini Alors pour le moment, non, rien d'autre. Rien euh, maintenant, je sais que la Fédération euh, des étudiants francophones se bat pour que le Fonds social de la Fédération et Bruxelles... Euh, soit plus élevé parce qu'ils trouvent que, euh, il, il trouve que c'est beaucoup trop, enfin euh, que c'est vraiment insuffisant euh, comme somme qui était dégagée. Donc, à voir s'il si y aura d'autres choses qui, mmh. qui seront dégagées. Maintenant, il pourrait y avoir euh, d'autres pistes, euh, non pas par, pour avoir voilà une aide financière supplémentaire, mais peut-être pour diminuer les frais. Donc, par exemple, okay. ce que j'ai en tête, c'est un étudiant qui, euh, par exemple, qui cote et qui a du mal à payer son loyer, il pourrait demander un arrangement amiable avec son propriétaire mmh. Mmh. Pour, euh, enfin, oui pour diminuer son loyer ou, ou pour le fragmenter. Euh, voilà, c'est une piste. Ouais. Et en fait, euh, vu que comme on parlait aujourd'hui de, de, de revenus, d'argent, etc., tout ce qu'on a besoin pour vivre, il y, a, il y a souvent une grosse partie qui va dans le loyer, et donc on serait dit que ça serait euh, un bon sujet pour notre prochain... ConfiNews qui sera, qui s'appellera Confinement et Bail Étudiant, et donc qui aura lieu jeudi prochain à 11h. D'ici là, en fait, euh, n'hésitez pas à envoyer des questions, à nous poser des questions sur notre page Facebook, euh, euh, via mail, euh, donc euh, par rapport à ce, à ce sujet. Hein, comme ça, on peut déjà commencer à préparer vos questions. Euh, et aussi, bon, comme je disais, par mail, je n'ai pas donné l'adresse, donc on reste disponible pour toute question. À l'adresse arlon.be et pareil sur notre page Facebook qui s'appelle Inforjeune Luxe et même notre compte Instagram IJ Arlon. Tout à fait. Et alors, si vous voulez aussi, vous pouvez consulter notre site bougerjeune.be. Donc, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Voici ce aussi, euh, le lien, bien sûr. Ce magnifique site créé par notre collègue Sylvie, euh, infographiste, et par chacun d'entre nous pour toutes les thématiques que l'on gère. Alors, vous voyez ici une thématique liée aux études, une thématique liée au job étudiant, euh, une thématique liée aux envies d'ailleurs, donc pour les jeunes qui veulent partir à l'étranger, euh, bon, après, c'est un peu sale temps pour les voyageurs, hein, on va dire, mais oui, après, quand les, quand les frontières vont se réouvrir. Euh, donc, un onglet pour tout ce qui est travail, un onglet logement et un onglet projet et social. Voilà, voilà. Voilà, donc ça fait euh, beaucoup de lectures si vous posez des questions. Il y a sûrement même des réponses à des questions que vous n'êtes pas encore posées. Donc, euh, n'hésitez pas à parcourir notre site Bouger Jeune qui vient d'être fraîchement mis à jour. On vous remercie euh, pour vos commentaires, vos questions. Et euh, on vous retrouve la semaine prochaine. Salut Aurore, à bientôt. Salut, merci de votre participation. Merci, au revoir à tous.